Initiation au civisme, à la citoyenneté des jeunes venus de toutes les provinces du Burkina se donne le mot d'ordre de traduire ces valeurs dans leurs actions au quotidien. Réunis à Saté, dans la commune de Nagréongo, les jeunes se donnent une semaine pour les travaux. La rencontre s'inscrit dans le cadre du camp national de la jeunesse pour l'année 2024. Le reportage de Adama Guiti et Chantal Ouedraogo. Rendez-vous des jeunes du Burkina Faso à Saté, dans la commune de Nagréongo, pour l'édition 2024 du camp national de jeunesse. Durant 8 jours, ces 150 campeurs vont se consacrer à l'apprentissage des règles du civisme et de citoyenneté, acquérir des valeurs sociales et culturelles. Cette initiative vise à forger une jeunesse consciente et engagée dans la construction de la nation burkinabé. Les activités vont s'articuler essentiellement autour donc des actions de communication sur des thèmes comme le civisme, la citoyenneté, la culture, la paix, mais également donc la sensibilisation sur la consommation de la drogue et des stupéfiants. Il y aura également des activités artistiques et culturelles et également des visites touristiques, mais également donc des reboisements. Et au sorti donc de ces camps, nous attendons donc vraiment donc que les jeunes soient suffisamment outillés. Il accorde une importance particulière pour toutes les questions de la jeunesse et le département s'est doté même d'une stratégie de jeunesse, comme je l'ai annoncé. Donc c'est pour dire que on fait une place d'honneur. On accorde de l'importance à toutes les questions de développement et de prise en charge de la jeunesse. Une occasion de brassage entre jeunes, une véritable école de vie pour ses participants issus de milieux divers. Nous voyons que grâce à ce camp, nous allons plus apprendre à nous intégrer dans la société, avoir l'esprit de solidarité, pour que nous puissions nous aussi nous engager parce que nous sommes l'avenir du pays. Le camp national de jeunesse 2024 se tient sous le thème « Jeunesse engagée et solidaire pour la paix et la cohésion au Burkina Faso ». Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État de façonner une jeunesse responsable, actrice du changement et de nouvelles dynamiques.